OK. Bilan, opération et affaires traitées, et parallèlement à plusieurs opérations qui menaient au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Gagné 772 grammes de cocaïne qui saisit. Gagné 71 kg, 149 millièmes de marijuana qui saisit. Gagné 16 739 cartouches de plusieurs calibres qui confisqués par la direction centrale de la police judiciaire. Gagné 12 fusils 12 qui confisqués. Gagné 11 chargeurs M4 qui confisqués. 4 pistolets de calibre 9 mm. 4 chargeurs de calibre 9 mm. 3 avis de recherche lancés. Gagné 8 cas de viol que nous recensés. Et gagné 8 arrestations qui faites. Chef d'accusation, on a dit d'abord qu'on avait tellement qui arrêté. Chef d'accusation, c'est trafic cocaïne, trafic de marijuana, port et détention illégale ZAM, homicide, assassinat, viol sur adulte, viol sur mineur, simulation d'enlèvement et séquestration, vol de véhicule. Alors, bilan ça, nous étonnés sous mois de juin. DCPJ avec BLTS, de concert, menait opération, côté que yo arrêté Rika du Guaran pour trafic illicite de stupéfiants. On a dit que l'opération ça du concert ça menait au niveau Fort Liberté, gagnait 22 kilos de marijuana qui saisit. Toujours de concert avec commissariat Saint-Louis du Sud, avec BLTS, il a arrêté Johnny Pierre pour trafic illicite de stupéfiants. Et BLTS toujours avec du concert arrêté Jean-Claude Aladin pour complicité de trafic illicite de stupéfiants, escroquerie, tentative de corruption de fonctionnaires publics, également blanchiment des avoirs. Gagné tout, gagné 250 000 gouttes qui saisit lors de l'arrestation. Gagné tout, ENA, de Rasmé, est arrêté pour détention et trafic illicite de stupéfiants en possession de 44 kilos de marijuana. N'a pas noté pour ça qui est lié à l'opération qui était faite au niveau terminal Lafito dans Cité Soleil. Côté que, sous tout réseau, nous avons un ensemble de matériel, que de fusils, que la police avec agent douanier ont saisi. Et côté que, il a arrêté Fleurisme Luman. Alors, dans quatre dossiers, ça, côté que, il y a 12 fusils d'assaut de différents types qui étaient confisqués, 11 chargeurs M4 en plastique, 4 pistolets de calibre 9 mm et 4 chargeurs, 5 camelback, également 3 bouses de maquillage, te gagné tout yon valeur en somme de ensemble de cartouches que nous avons dit là qui étaient confisqués. Nous songer opération ça qui était faite entre BLTS et agent douanier au niveau terminal Lafito. Côté que Fleurisme et lui-même t'est arrêté, gagné tout n'a pas recherché dans 4 dossiers ça. Ketia, lui, qui n'a pas recherché. Dans le cadre de ça que nous songeons, que toute la presse était pratiquement vieux caméra dans la zone ça. Encore, c'est dans le cadre dossier terminal Lafito, Cité Soleil. DCPJ, via homicide, qui est une entité qui est en dehors de DCPJ, qui travaille sur la question assassinat et homicide, arrêté le 2 juin 2020 pour homicide Bénol François, pour implication présumée dans la mort cousin Jean-François, Jean-Francis François, et qui était faite le 14 mai 2020 à Santo 23. À savoir d'autres cas homicide qui étaient passés pendant le week-end et pendant la semaine qui s'est passée, qui pratiquement qui était dominé l'actualité. Concernant dossier commissaire, substitut commissaire du gouvernement, Fritz Gérald, qui gagnait 51 ans, qui était lui-même joint dans Morly, a été assassiné le 12 juin 2020 au niveau sans fil. Nabdi gagnait deux auditions qui fait déjà, et gagnait plusieurs autres monde qui pour nous entendre dans quatre dossiers ça. Au niveau de la DCPJ, enquête ça a avancé, nous avons plusieurs éléments qui viennent joindre nous, et au moment opportun, dès que nous finissons la conclusion enquête là, la presse a m'informé.
Et nous portons attention très spéciale dans ensemble de cas d'homicide qui arrivaient pendant ce moment. Notamment à Delma 75, côté que suite à une réunion qui a gagné 8 personnes là-dedans, côté que pratiquement un fusillade qui était fait, côté que 3 personnes ont perdu la vie. À savoir Norvela Bellani, 56 ans, qui est un cadre au niveau BRH, côté que tout compagnie tout est mort tout lors du tir ça yo Daphné et Fizemi qui a 35 ans et on l'autre jeune que nous pas arrivé jusqu'à présent identifié qui est mort. Gagné deux interpellations qui fait dans quatre dossiers ça déjà, c'est Miguel Saint-Louis également Jove Béon. Et n'a dit tout gagné tout un avis de recherche qui lancé dans quatre dossiers ça. C'est Emmanuel Elgin, chef d'accusation assassinat, détention illégale ZAM, association des malfaiteurs. Et quel que soit côté d'une membre de la population, ouais, monsieur ça, pas hésiter, informer la police, mettre la police au courant dans 38-38-11-11, 38-37-11-11. N'a noté, c'est dans quatre dossiers, quatre supérieurs ça, qui au niveau BRH, ça qui est arrivé au niveau des mars 75, que toute population et la presse est informée de. Incident malheureux ça qui est produit. Et concernant deux jeunes yo, qui pratiquement fait actualité et côté que toute société, toute famille hein, et tout média autour et jeunes autour a parlé de malheureusement de incident malheureux ça qui produit côté que deux jeunes ça yo mouri calciné. Yo te quitté kayo mardi 23 juin 2020, côté que vers 7h30, vous avez quitté Kayo du matin, vous avez parlé de répétition dans les villas, et côté que vous n'avez jamais tourné, la famille n'a pas jamais arrivé à joindre Timon Sayo et n'a découvert le cadavre Sayo, calciné dans le tabac 41. N'a dit, enquête là, censé finir. Au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous étions dans la phase d'interpellation. Et dans la prochaine conférence, nous sommes en mesure pour nous capables d'élaborer plus et tout, venir tout à monde que nous interpellons. Déjà, il y a plusieurs monde qui attendaient, à savoir famille, proches, deux jeunes sérieux, également l'artiste Mistigeon. Qui tendait que des CPJ tendait. Nous sommes sur de très bonnes pistes, vraiment de très bonnes pistes, et nous avons fait lumière sur le CSA. Et la population vient pour au courant très prochainement de dossier ça que nous pratiquement déployons nous pour que nous sommes capables de porter un résultat par la population et société qui est victime et jeunes YouTube qui a parlé. De situation ça malheureusement qui vivait deux jeunes qui ont tout avenir devant eux qui ont la vie à boulevard devant eux mais malheureusement ils ont perdu la vie yo. Malheureusement nous t'ai parlé d'un cas côté que nous t'ai mené une opération côté que on t'ai arrêté un Jamaïcain t'ai gagné plusieurs matériels qui t'ai saisi t'ai gagné 11 kilos cocaïne, nous songeons qui était saisi, tu as gagné plus de 123 kilos de marijuana qui saisi et nous te faisons une conférence spéciale sur ça. Côté la presse, là. Tu as gagné un monde que nous avons recherché dans le cadre de César, qui c'est Jean Stanley Firmin. Côté que la police, Olivier Grandance, arrivait interpellé. Nous avons songé que l'opération a été menée le 16 avril 2020 dans Tabar, côté que BLTS a saisi ensemble de matériel que nous avons dit. Voilà. Côté pour le moment, et monsieur, déjà, il y a positionnel et probablement il va le transférer au niveau parquet. Et DCPJ a félicité la police Grandance qui est arrivée épingler Jean Stanley Firmin qui lui-même est avec Jacques Maïquin. Pour question de viol, j'en nous dis, il y a 8 cas de viol que nous recensons et yon sou adulte, côté que ULCS a arrêté Stanley Faustin et pour viol, agression physique sur une jeune dame le 27 mars 2020. Et tout
li, au niveau de Silusa, côté qui a positionné. Mais pour cas de viol sur mineur, gagnant Augustin Guy Bouton, 32 ans, qui viole un mineur de 15 ans. Gagnant l'aîné Wisnel, 20 ans, qui viole un mineur de 16 ans. Gagnant Wilson Wilton, 31 ans, qui viole un mineur, un bébé pratiquement, qui a 5 ans. Gagnant Gérard Estimable, 78 ans, qui viole et grosse un mineur de 16 ans. Gagnant tout François Sergonia Joseph, pour y arrêter pour complicité de détournement mineur, séquestration et viol suivi de grossesse. Gagnant tout un viol collectif qui fait sur un mineur de 15 ans, côté que y arrêté Ronald Auguste, 38 ans. Huguenson Jean-Gilles, 39 ans. Également, Erdwin Joseph, qui a 32 ans. Ils ont tous mis ensemble, ils ont violé un mineur de 15 ans. Le 17 juin 2020, au niveau pèlerin, la police du CPJ a arrêté McKinley Aristil pour implication présumée dans vol de véhicule, détention illégale d'armes, également plusieurs armes à feu. Monsieur, son ancien policier que lui. Il y a Fritz Villeboin, et qui continue que le roi. Monsieur, c'est membre gang 400 Marozo, côté que il a arrêté monsieur pour implication présumée dans acte assassinat, vol ZAM, qui était fait le 16 juin 2020, dans le coin des Bouquets, dans la localité qui est Bourget. Gagné tout le 23 juin 2020, et à Adema 19, gen Jean-René Alexandre, qui continue que le Tijo, arrêté pour menace et enlèvement avec ordre, et gen Jean-Daniel Chérubin, qui arrêté tout pour détention illégale ZAM et ou dit arrêté pour vol à main armée et vol ZAM. Gagné tout au niveau cellule contre-enlèvement et qui sont cités au niveau de la DCPJ qui traitait question qui gagne pour à question enlèvement et séquestration. Côté qui a arrêté Luc Ner Bourgoin pour simulation d'enlèvement et contre-rançon, vol des véhicules, association des malfaiteurs. Gagné tout Ralto Anastil, pardon, qui continue que les Fat Boy, qui a arrêté le tout dans le cadre de César et n'a pas recherché dans le cadre de César Augustin ou Lambert Josil, qui continue que les Dev, qui a recherché dans le cadre de dossier qui vient pour ouais avec enlèvement et séquestration. Et c'est monsieur qui séquestre tête li, qui enlevé tête li pour que les capables prennent cob dans mes patrons, côté que même machine dans tout, que n'a joigné juste en province. Et tout gagné, ils ont à vidéo recherche. Que DCPJ lancé contre un ancien policier qui est Sénisor d'Orléans. Et j'en dis tout à l'heure, parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, le 26 juin 2020, commissariat de Port-au-Prince et interpellé Ronald Verdieu et Mentor Kervens Ernst Almic, ils ont fait partie d'un gang qui les craché d'ife. Malheureusement, lors de l'interpellation, ça, c'est opération qu'il était, et côté que tu as un échange de tir, tu as gagné une qui était stoppé par la police et nous arrivé saisi un pistolet de calibre 9 mm et le 28 mai 2020. Et au niveau commissaire Delma, il a interpellé pour séquestration un mineur, Pierre Carlin, et à Delma 5, Jean-Patrick, qui continue à appeler Pachuco Dossou, et arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous policier Larousse Joseph au niveau Chada Cap-Haïtien. Question. Et faire relèvement, nous effectivement ces deux jeunes, ça c'est pour une question. Deuxième question, le dossier d'Adam Jamba nous a annoncé que vous enquêtez CPJ. Louis Moussa, ça, je vous dis à la dans qui point et enquête là. Et d'abord, commencer par la deuxième question hein, pour nous dire qu'il est encore en cours au niveau de cellules qui occupaient deux questions qui liées à mineurs et qui c'est BPM. Et moi pas de gueule à parler avec responsable BPM pour me connaître à qui niveau lié, mais c'est certain si tu as une évolution
technique au niveau et structure ça que me tape déjà au courant parce que c'est au même tout qui partage tout avec mes bilans et concernant et viol qui fait sur mineurs. Mais à savoir pour mineurs là, bon, c'est certain que il y a des indices que nous joignent que nous arrivons ouais, que c'est malheureusement ces deux corps mineurs ça et j'en ai dit tout à l'heure nous pratiquement à 90% fini avec dossier là, nous pral kounya dans stade interpellation. Disons nous pral arrêter moun. Et population pral wèk moun sa yo qui impliqué dans la mort, dans assassinat et calciné de jeunes sa yo. À 90% de l'enquête là, on capable de dire que ça te rebe criminel. Et bon, c'est certain que les n'a venir avec arrestation, n'a pas chef d'accusation et nous capable tout élaborer un peu plus. Mais ça qui est important, nous sur la bonne route. Et nous dit population, mettez fin confiance et au moment opportun, dans la prochaine conférence là, nous arrangez nous pour que nous soyons capables au courant de dernière évolution et où est monde que nous arrêté dans le cadre de ces ça. Bon, et j'en nous dis, et de toute façon, gagner assassinat, gagner meurtre, gagner homicide. C'est homicide justement qui travaille au niveau de ça. Mais je nous dis, tout ça qui a gagné en termes de formation, nous, en toute transparence, population pour connaître. Monsieur Ganame, porte-parole, il y a une alliance qui est faite à travers le Gameo, et qui vont boucler les Genève. Et nous connaissons un citoyen que là, il y a une conférence de presse qui est que nous démettons à vie de recherche des citoyens qui sont anciens policiers, Jimmy Cherizier. Et maintenant, nous pendant la période de corona et dans le moment de confinement, nous avons l'État haïtien a une distribution qui a fait. Dans la distribution, nous avons Jimmy Cherizier accompagné des policiers à bailler manger dans la zone de la Cali. Je dis à la, qui ça la police a fait en ce qui concerne avec la question Genève là. Ensuite, nous avons que Jimmy Cherizier hier a l'unique bail l'autre pour que en bas des débarrés, le travail commence à faire. Position de la police. Écoute-moi, et comme vous évoquez la question, côté que les policiers, et jour que vous avez fait distribution manger dans la zone, côté que les mêmes étaient présents à côté des policiers, et moi, quoi que l'inspection générale était les mêmes élaborés sur la question, et je crois que soit porte-parole là ou bien inspecteur général chef là, était parlé et était même auditionné et policiers dans quatre dossiers, et nous croyons que nous avons parlé de ça. Bon, à savoir l'autre aspect de la question, hein, n'a dit au niveau de la police, même nous étions dans le cadre de travail PAD. Côté que nous avons lancé un avis de recherche d'elle et nous encore déterminés pour que nous sommes capables d'arriver épingler et conduire devant la justice. Mais pour d'autres considérations, bon, c'est certain que toute population est là et nous ne touchons pas ça tout. Et nous-mêmes, nous avons travaillé nous, et nous connaissons que ça capable de vivre, gagner des interpellations qui capable de prendre plus de temps pour arriver à prendre l'autre. Nous comprenons ça, et nous comprenons tout à temps, tout, et nous comprenons tout question en tout. Mais faites-nous confiance que nous n'avons pas arrivé justement à faire travailler nous, normalement, dans le cadre que la loi m'a dit ça. Mais nous connaissons que la police a annoncé que vous avez barricadé pour que vous avez raison de sécurité. Je dis à la, nous avons fait des barricades. Qui est-ce qui fait pour, alors, sous qui base la police des barricades, quelle explication est capable de la population sur ça? Merci. Et moi, j'ai parlé avec l'autorité de la police matin. Zone a toujours barricadé et toujours une présence blindée là-dedans. Est-ce que ça est capable d'arriver que quelques personnes dans la population sont capables d'arriver à pousser et séparateurs? Mais comme aspect vie est important pour nous, d'abord, nous préférons éviter taguer mon victime au lieu de taguer mon victime. Et moi, je ne suis pas vraiment capable de porter une clarification à la question posée là, parce que je n'ai pas de parler avec le responsable commissariat et pas au président pour te dire exactement est-ce que il y a des côtés qui débarquent, qui ne pas barricadés encore. Mais avec autorité ça que me parler que me capable faire confiance zone là encore barricadée et c'est des mesures que nous prend pour d'abord pour nous protéger population hein, et nous connaissons tout dans le temps tu gagné un somme d'enlèvement qui était fait et c'est là que tu t'es séquestré mieux. Alors son mesure qui prend et il est maintenu jusqu'à ce que nous arrivions nous-mêmes et permettre que situation hein, tourne dans normal et
population capable de vaquer librement dans l'activité, bien sûr, ensemble avec la population. Toujours sous question, j'ai neuf plans de parole. Est-ce que nous-mêmes, nous, au courant de l'existence pour l'armée, ça, qui est côté de cette ensemble, et qui s'en a fait pour nous sauver? Nous au courant qu'il y a plusieurs gangs armés et populations et qu'on est ni nous dans un nous connaît tout et nous toujours parler de ça il y a des questions qui viennent de la presse de nous et nous toujours et tout dit que même que ça nous comprenne et qui considération bien fait mais nous même nous tenons compte justement de faire effort ensemble avec population pour que nous capables débarrasser mounio de bandits qui vivent bon côté de manière pour qu'ils soient capables de librement vaquer dans l'occupation. Justement, sur la Genève, est-ce que je dis à nous capables de comprendre Genève là a pris. Comment dit est-ce que Genève a collaboré avec la police ou sinon c'est. Comment est-ce que nous avons réaction sur ce que la police RDDA dit qui t'a pas déclaré dans la faction ou pas? Comment dit est-ce que nous avons réaction sur ce que de KNH là et le national de Cap Défendeur dit qui t'a pas au niveau rapport de NDDH, là, c'est certain que le commandement a touché de ça. Il y a des considérations justement qu'il va les mettre sous lit. Et pour le moment, au niveau inspection générale, il y a une enquête et le commandant chef a passé instruction pour qu'il mène une enquête et suite à opération et suite à rapport que NDDH également et organisation et j'ai créé, je crois, ce titre pour que nous capables de même bon côté par nous, pour que nous considérions justement de rapport ça et notre travail là-dedans pour que nous enquêter. Et en toute transparence, la nous pas. Comment la police pas démenti l'information. Démenti quoi information comme quoi, il y a plusieurs bénéfices, donc je crois que c'est simple. Et j'en nous dis, il y a un rapport qui sorti qui touchait plusieurs mondes, plusieurs instances, plusieurs secteurs, notamment la police. Et commandant chef là passe instruction à l'inspection générale parce que dès que bah, la gagne police la donne c'est l'inspection générale qui c'est entité d'enquête administrative là qui prend qui sous les et pour faire recommandation au niveau de la direction centrale de la direction générale de la police nationale et c'est ce qui est fait pour le mois. Et ce que dit votre parole ça passé c'est que des zones nous constaté et moun pas de capacité non. Pour moun commencer à faire avec occupation par exemple sur une zone de Carrefour Aviation mais c'est pas la police qui permet zone ça et retourner à la vie c'est même les Genève. Est-ce que aujourd'hui, Nek Genève, en collaboration avec la police, a aidé parce que peut-être vous estimez le faible? Ou sinon, dis-nous ça, Genève, est exactement. Je trouve que moi, très fort, que vous dites que la police est faible. La police, à travers le monde, pas jamais faible. Okay. Mais la police, même n'a pas évolué dans le cadre légal. Et nous, je dis que, côté que lui-même, bandit, lui-même, lui, qu'on sortit avec Zamné, lui tirer plusieurs monde blessés. Plusieurs monde prend balle et gagne mouri. La police pas qu'a un comportement pareil. La police c'est même c'est avec stratégie, c'est avec renseignement qu'elle servit. Et nous comprenons effectivement attente moun yo parce que yo dit bon, il plusieurs fois monsieur ça a opéré que la police pas jamais arrivé, la police pas jamais arrivé épingler la police pas arrivé éclater c'est le but gagne. Nous comprenons ça. Mais attention, ça qui est important pour nous c'est la vie qui est important pour nous. Et la vie qui est important pour nous, la vie population est important pour nous, également la vie bandit autour est important pour nous. Parce que nous pas organisation qui l'a pour tuer le monde, nous organisation là justement pour que nous capables de travailler au et pour la justice et l'aide pour un bandit nous conduit devant la justice et ça capable de tout des échanges de tir malheureusement qu'on gagne des bandits qui tombent. Alors, bonne parole. Et la police toujours a continué à chercher barbecue et si nous dans quelle zone nous cherchons déjà nous allons dans quelle zone nous cherchons déjà nous allons parce qu'on dit la police toujours va chercher. Naturellement, et c'est pas ça. Moi, donc, il y a plusieurs avis de recherche. Et c'est certain que il y a des avis de recherche que nous lançons, que nous ne sommes pas arrivés et épingler les mounio. Mais il y a toujours été avis de recherche. Et j'en nous dis, et ça fait que à chaque fois que nous lançons avis de recherche, nous avons toujours dit au cas que nous localisons les mounio pour la population lui-même aider nous-mêmes pour que nous soyons capables d'arriver, épingler les mounio et conduire devant la justice. Et bon, à savoir, oui, il est toujours dans le cadre de recherche, et pas lui-même seulement, et d'autres mondes que nous avons cherché. Et à vue de recherche, et toute population, et caméra, et caméra la presse, justement, témoigne ça. Bon, parole, lundi à la tenue manifestation, le ministère de la Justice, parce qu'il est arrivé à la sécurité. Et comment est-ce que vous faites le tour des réseaux sociaux, nous, les gens, il y a des policiers, il y a des gens qui ont manifesté pacifiquement, qui ont fait au gaz. Là, les banderoles, nous n'en avons pas. C'est quelle réaction que la police vient face à ça? Faut-il l'autre, ça, des outils? Et pour les policiers, vous avez mené action ça, sur nous avons manifesté face à ça. Et permettre que moi, je dis encore que
dès que les policiers et dès que moun nan population pas d'accord en comportement ou en écart de comportement ou en bavure policière, il y a une inspection générale qui automatiquement prend charge. Dès que nous saisissons de ça, l'inspection générale lui-même prend charge. Je crois que hier, l'inspecteur général là, tu fais une conférence, c'est certain qu'il a élaboré dans ce sens-là. Ok, merci. Merci, votre parole. Pardon, On a parlé de ce kidnapping non là m'a connu. Lui n'est plus pour moi. OK. Ou kidnapper peut-être pas ou capable de demander 100,000 dollars américains parce que mon dame pour le chauffeur, n'est-ce pas? C'est pas mon qui demande 100,000 dollars parce que on va négocier comme moi-même. C'est Dev. L'autre est mon sauvé. La caméra. Dev va chercher. Oui, Dev. La caméra. Dev va chercher. Parce que nous avons rien et des négociations comme. Nous avons habité ça déjà, monsieur. Non. Pourquoi on a pas travaillé là? Petionville. On est venu à sa note à l'armée. Ça t'a arrêté à vous rapidement là. Bon, ça se compte la justice avec mon Dieu. Comment machine n'a été fait arriver jusqu'à la province? Bon, les machines, les DVT pour la machine dans la même, c'est Bela Delta a fait à la veille. Et l'IT conduit, c'est l'IT à la veille. Écoute, Devla, Devla a sauvé l'NT Monte Bela Delta, il a sauvé l'NT DCPJ. Alors, le problème de la machine de l'Ora, j'aime vous lancer d'accusation, c'est simulation d'avertissement et sécurisation, contre le rançon. Bonne équipe, à sa de confiance, surtout pour le Pierre Merci. Et ça, quand on a fini, caméra, Continuez. Mais quand tu et donc là, et ancien policier et des machines dans le on dit à l'heure, même sur le sujet. Je vais vous dire.
Voilà, quand tu vas te voir. Premier fois, machine là. Regardez, Kenny. Regardez, ça, c'est machine. Mettez-le dans le cul, il est là, loin, lui. C'est le coup, il frappe comme ça. Mais quoi ça? Imbécile. Monsieur, son imbécile.